J'accorde la parole au candidat. Très heureux de vous avoir, très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Vous allez comprendre avec nous dans ce nouveau numéro spécial des 48 heures de campagne et audition des différents candidats au poste du bureau définitif du Sénat. Quelques postes étaient vacants et ça vient de se faire. Vous allez suivre en exclusivité tour à tour comment chaque candidat a défendu ce projet de société qui a commencé depuis le dimanche 28 février 2021 et aujourd'hui, le dernier jour, c'est 1er mars 2021. Nous allons suivre en exclusivité les déroulements de la séance plénière de ces jours et on va y revenir. Ce groupe comprend les candidats rapporteurs, deuxième vice-président et président. Je rappelle les principes édictés au cours de la séance d'hier. Pour les membres de l'Assemblée plénière, pas d'acclamation, pas de cri d'approbation, propose le remplacement à la page 3, cinquième paragraphe, et terme, bureau déchu, par bureau démissionnaire, étant donné que les 6 membres avait démissionné. Alors, si d'ici demain, il n'y a pas d'avis contraire, cet amendement sera porté. Je me tiens devant vous en toute humilité, rendant grâce à Dieu de m'avoir permis de vivre les moments extraordinaires de notre temps, surtout ceux qui ont transformé et continuent de transformer le monde. J'ai vu le jour à Tondo, une petite localité au bord du lac Kivu en Équateur. Mon grand-père qui m'a élevé, envoyé au Cameroun pour combattre autour du conflit mondial de 1914, ne savait ni lire ni écrire. Mes grands-pères étaient si captivants lorsqu'il nous racontait les histoires de la guerre qu'il a éveillé en nous, toute notre attention sur les troubles d'un monde nouveau en gestation. La Deuxième Guerre mondiale, celle qui vit l'explosion de la première bombe atomique dans la matière première pour le Congo, transforma complètement la planète avec la guerre froide qui s'ensuit. C'était aussi le début inexorable de la décolonisation avec les indépendances qui ont marqué les années 60. Le passé a été ce qu'il a été, mais l'avenir que nous bâtissons ensemble avec nos enfants doit être un avenir de paix et de progrès. C'est un péché contre l'esprit que de tolérer les souffrances que nous connaissons, maladie du manque de soins et de médicaments, carence criante dans l'enseignement, injustice sans cesse répétée qui abîme l'homme et détruit l'image de notre pays. Chers collègues, aujourd'hui, le Congo est un attelage de puissance endormie et de fragilité. Et voilà que maintenant s'ouvrent les fenêtres d'opportunité. C'est notre devoir à tous d'aider le président de la République
avec l'appui de notre jeunesse, soutenue par la femme congolaise, pour baliser ainsi, sous son impulsion, la voie d'un Congo nouveau. Nous le savons, il n'y a pas de fatalité à l'échec. Chers collègues, à l'âge qui est le mien, je souhaite privilégier au sein de notre institution l'entente et la concorde pour montrer que le progrès est possible et qu'il en va ainsi de notre dignité. Et comme vous le savez, la dignité est une charge. Chers collègues, choisissons le chemin de la paix et du progrès. De meilleures écoles, de meilleurs hôpitaux, de meilleures infrastructures, de meilleures universités, j'en passe, afin de mieux éduquer et soigner nos enfants, et ainsi voir par la même occasion l'émergence de femmes respectées, déterminées et au cœur de l'action. Non, le Congo ne peut pas demeurer indéfiniment la risée de ce monde en transformation. Voilà pourquoi nous, sénateurs, devons nous engager à payer d'exemple. Nous aurions tort de sous-estimer la perplexité des uns et des autres, et même de notre Sénat, qui, comme la femme de César, doit être insoupçonnable et ne peut échapper à cet acte d'honorabilité. Oui, l'exemplarité du Sénat est notre devoir à tous. Chers collègues, fidèle à notre règlement intérieur, je promets, encadré par notre bureau et son président, de veiller à tout en m'associant au niveau de la présidence dans le règlement intérieur en économique et social, sans oublier la situation sociale de nos agents, conformément à la charge prévue par le règlement intérieur de notre institution. Chers collègues, une des actions essentielles, l'expérience d'une décentralisation de développement de la base à partir des exigences premières, était l'application de structures de base et le rapprochement de l'administrant et de l'administré. Chers collègues, le moment de vérité au cours duquel votre avis devient décisif, président du bureau définitif de notre Sénat. Modestement, je crois pouvoir satisfaire cette fonction après l'expérience acquise aussi bien dans le secteur privé que public, comme chef d'entreprise, à la présidence également de deux plus grandes chambres patronales du pays, à savoir la Fédération congolaise des entreprises, ainsi que la Chambre de commerce franco-congolaise. Le tout couplé avec l'exercice à plusieurs reprises de la fonction ministérielle, ainsi que mon passage dans les deux chambres législatives du pays. Toute cette expérience nous permettra de rencontrer dans les meilleures conditions le besoin d'une vision en harmonie avec celle du chef de l'État. Chers collègues, au cours des consultations qui ont eu lieu ces dernières heures et dont j'ai apprécié la hauteur, vos avis ont été entendus. Ils seront respectés si vous m'accordez votre confiance. Chers collègues, une chance nouvelle se présente à nous. Elle est à notre portée. Faisons en sorte qu'en harmonie avec la plus haute autorité du pays, nous puissions relever ce défi. C'est là notre combat pour les années qui viennent. Je vous remercie. Je demande au candidat Guérin Bonfene de se présenter pour défendre sa cause. C'est un jeu démocratique qui s'est très bien déroulé. Chacun a tenu son rôle de la manière la plus consensuelle possible.
et je me réjouis d'avoir assisté à cette réunion. J'ai vécu de bons moments au cours de cette rencontre. Ça ne m'effraie certainement pas. J'aurais voulu que ce ne fût pas le cas, mais comme c'est le cas, on va l'assumer, il n'y a aucun problème. Le nouveau bureau est fini. Bonne chance à tous les suspects. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, pour l'attention que vous accordez à Top 243 News, diffusée sur Entrepreneuriat TV pour mieux vous informer en temps réel avec toute impartialité. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Bye. Vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.